mon amour. T'as pas le droit. Je n'en peux plus d'attendre. Je compte les jours. Je suis folle de toi. Folle du requin. Elle l'a pas regardé. Ce doit être une canne blanche, cette fille. Requin. Requin. Où es-tu? Bon, qui va éplucher les patates tout à l'heure? Hein? Bon, ce sera le dernier aux douches. Lave-moi les pieds. Je suis fatigué. Non! Vaut mieux lui céder, Francis. Les colères à mi-coup, ça fait mal. Il a du jugement, ce morveux. Comment s'appelle-t-il? Guillaume. Un moment aucun. Si tu viens avec moi, petit, tu auras 2 cigarettes par jour. J'aime pas le tabac. Pourquoi est-il ici, ce quart de poulet? Vagabondage et vol des postes de radio. Qui vole une radio finit à l'échafaud. Tu savais pas? Alors, garçon de bain, ça vient? La rose. Qui donnera un clope à la bonne femme qui est en train de me faire des pieds. La baignoire. Je voulais s'entraîner la pêche sous-marine. Pas vrai, Francis? C'est vrai, monsieur. J'aurais demandé de me faire la tête sous l'eau le plus longtemps possible pour voir. D'accord. Ici, on n'aime pas les mouchards. Mais on n'aime pas les lâches non plus. Qu'en pensez-vous, monsieur Micou? J'ai pas de leçon à recevoir d'un flic. Parce que pour toi, je suis un flic. Un flic déguisé en assistante sociale. Ah, il est lâche, mais il est drôle. Vous laissez pas faire les gars, il vous a au boniment. T'en fais pas, va. Le requin va arriver. Monsieur est satisfait? Garçon, venez chercher votre pourboire ici. Levez-vous. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Deuxième colonne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Vous étiez en haine. Vous êtes des tueurs? Zéro. Au suivant. Toi, dame blanche. Des gangsters. Pas mal. Mais faut préciser un peu. Hein? Lui, c'est Alain. Moi, Charlot. Et l'autre. Notre patron. Hein? Qui est-ce? 1000 francs, celui qui trouve. Notre patron, c'est un type très célèbre. Le plus célèbre. Standish. T'entends ça? Mais Standish, un tocard. Hein? Qu'est-ce qu'on vous apprend ici? Je sais, une grande course. Démodé. Et des cafés à Montargis. Hein? J'irai jusqu'à 5000. Ça s'appelle Jasmin, Pierrot Jasmin. Eh, vas-y, répète, répète un peu, voilà. Pierrot Jasmin. Ah, voilà le gagnant. Ça, c'est un bon élève. Bon, voilà, il est en prison, Pierrot Jasmin. Eh bien, enseignez, petit. Pourquoi il était en cabane? Vol de banque, quel dur. 10 sur 10. Eh bien, Pierrot, il s'est évadé. La troisième fois? La quatrième. On oublie toujours le coup du commissariat des Sidi-Moulineaux. Et quel autre surnom lui donne à Pierrot? Patte Blanche. Et tu t'y connais, hein? Et pourquoi on l'appelle Patte Blanche? Parce qu'il a pas tant sur les mains. Ils sont chouettes, les mots. Comment il s'est évadé? Monsieur est commissaire. Monsieur est spécialiste. Mon Pierrot, quand il s'évade. Primo, il réussit. Et deux yeux. Il prend pas la bagnole d'un collègue. Charlot, Wattulus, vous savez pas qui il avait affaire? Il a instinct. Qu'est-ce que t'en fais de l'instinct? Un type qui n'a pas d'instinct, pour moi, c'est un flic en puissance. Racontez une évasion, monsieur. Oui, oui, racontez. Bon, ben voilà. Hier, on sort mon Pierrot de la prison des Baumettes. Pour une reconstitution. Vu? On le met dans le panier à salade. Le panier démarre. Le plancher avait été scié. Scié? Ouais, scié. Dans le garage, on a des relations. Bon. Alors, Alain et moi, on est dans la Cadillac. On suit le panier. À un feu rouge, Pierrot saute. Enfin, il se laisse glisser sur la route. Le panier passe sur lui, il se relève. Manque de peau, un flic qui se trouvait là, tire sur Pierrot. Blessé à la cuisse. Mais heureusement, on est là avec la CAD. Pierrot monte, et puis... hop. Plus loin, manque de peau, bis. On tombe sur un barrage avec un CRS au milieu de la route. Alors, qu'est-ce qu'il fait Charles? Hein? Il appuie sur le champignon. Il a dû le CRS. Il est mort? Oh, je suis pas allé sur lui prendre le pouls. Hein? Mais alors, je l'avais bien dit, vous êtes des tueurs. Restez, mon petit. Hein? Et après? Après? Bah, on a été se planquer dans un coin perdu, histoire de se faire oublier un peu. Et le coin perdu, les mômes? C'est ici. Et vous allez rester longtemps ici? Ça, c'est nos amis. Puis pour partir, il faudra encore que la bagnole marche. Je le rêve pareil, monsieur. Je le rêve pareil. Je veux. Mais pas tout seul. On ne trouvera de la compagnie. Et Alain, t'as repéré ceux qui semblent avoir le meilleur esprit? Ouais. Bon. Alors, tous les autres resteront bouclés ici. Je sais. Je sais. Il peut y avoir de mauvaises graines parmi vous. Un séjour dans une boîte comme celle-ci, ça peut corrompre un môme. On écoute les sermons et puis, de fil en aiguille, on devient un flic. Alors moi, je me méfie. Vu? Voilà l'homme. Je vous le donne. Faites-en ce que vous voulez. Si on le connaît dans la porcherie. Pas d'accord. C'est pas de sa faute si on est ici. C'est de la faute à qui? À la police. On va le mettre en voie. Que ceux qui sont pour la porcherie lèvent la main. Qu'est-ce qu'ils font? Laisse-moi faire. Alors les tourtereaux, on passe dans l'opposition? Je suis pour qu'il reste ici. Et pourquoi? Parce que c'est pas une brute, lui.
Majorité pour nous, vous n'êtes que cinq. D'accord. Le grand morveux restera avec les petits morveux. C'est injuste. T'inquiète pas, hein. Pour ceux qui ont levé la main, il y aura des récompenses. Ils peuvent sortir, ils sont libres. Ne faites pas les idiots. Restez ici. En les suivant, c'est toute votre vie que vous allez gâcher. Il est pas marrant, hein. Je comprends qu'ils ont envie de foutre le bain. Miku, pense à tes parents. Les vieux maintenant. Mais il s'en fout. Il sait mieux penser à lui, il serait pas ici. Ses parents sont morts, fusillés. Je vous ai défendu d'en parler. Ça regarde que moi. Ah, c'est vrai, ça. Dis donc, ça s'est passé avant ou après la libération? Foutez-moi la paix! Vous comprenez pas que ce gosse veut régler ses comptes avec la société. Qu'il tient pour responsable de la mort de ses parents. En entraînant avec vous, vous le condamnez. D'ailleurs, tôt ou tard, il s'appelait par la police. Un mot de plus. Et je tire. Allez, vous ne vous laissez pas impressionner. Francis, va pas. C'est pas foutu, il est dans la jungle. À qui tu écris? Personne. Ça va, je compris. Mon cher personne. T'es pas dingue? Qui tu veux que j'écrive? J'ai pas de famille, je suis tout seul. Fais comme moi, écris à Brigitte Bardot. J'ai rien à lui dire. Et quand tu l'auras fini, à qui tu l'enverras ton poulet? Personne.